Salut à vous mes fans de foot, on se retrouve dans cette autre édition de votre magazine Foot et Fun, Elite Football Club. Et à tous je dis Djabamba. Vous l'avez remarqué, nous sommes à Garoua et on ne saurait être ailleurs pour cette édition spéciale consacrée au sacre de Coton Sport de Garoua. C'est donc la finale, dans quelques minutes seulement on va pouvoir vivre ça. Ce sera donc les coulisses, remise du trophée, intervention des joueurs champions bien sûr. Ce sera vraiment les festivités qu'on va vivre dans cette édition spéciale de Elite Football Club. Alors installez-vous bien et ce sera parti dans quelques instants seulement. When I was young, I was the only girl playing football with 20 guys. They say, boy, girl, don't play here. It was not easy to hear that, but I didn't care. I was really strong. They call me Lioness. I am Gail Inganamwit. I am made of black. Oui, le championnat est terminé et Coton Sport est champion. On a pensé que ce serait bien de célébrer avec la population de Garoua et qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de ce 15e sacre de Coton Sport de Garoua. On va commencer avec le monsieur que nous avons trouvé là. Bonjour monsieur. Oui, on est très content. Vraiment, notre équipe, ça fait 2 ans qu'on n'était pas champion. Mais maintenant, on est champion. On est beaucoup même loin avec le 2e. Vraiment, ça me fait plaisir. Coton Sport est champion de Cameroun, ça nous plaît beaucoup. Parce que on a dit que Coton Sport est champion, on dit que Coton ça ne peut pas aller, l'équipe Coton ça ne peut rien aller, mais ça va. On a attendu longtemps, mais par la grâce de Dieu, cette année c'est produit, merci, on remercie. Ça me fait plaisir de voir Coton gagner le championnat encore pour une énième fois. Ça me va droit au cœur parce que c'est notre équipe, on peut appeler ça l'équipe du village, Hotolo, comme on dit ici au Grand Nord. Les cotonculteurs ont vraiment prouvé qu'ils sont les champions du Cameroun. Je félicite vraiment les encadreurs et tout le reste. Et en particulier, j'ai mon joueur Bataille Marcelo qui fait les merveilles. Oui. Ben voilà, vous l'avez constaté, hein, c'est vraiment la joie ici à Garoua. Tout le monde est content. Coton Sport de Garoua met tout Garoua dans la joie. Et certainement pas seulement Garoua. Et bien sûr, le championnat camerounais, c'est aussi la 2e division. C'est pourquoi on va inviter Mathieu Fangoua à l'instant, qui nous dise son petit mot, mais plutôt sur ce qui s'est passé lors de cette dernière journée en MTN Elite Tour. En MTN Elite Tour, les rideaux sont également tombés avec la 30e journée. La Panthère sportive d'une day s'est imposé face à Bambolet United 2-1. Lyon blessé de Futuni 0, AS Étoile Meki 0, National Polytechnique 1, le canon de Yaoundé 1. Au classement officiel, à l'issue de la 30e journée, Avion Duncam enlève le titre de champion du Cameroun de Ligue 2 avec 57 points. Au bas du classement, 13e, Cosmos Dumbam 27 points. 14e, National Polytechnique 25 points. Voilà, nous avons rejoint le coach à l'instant. Bonjour coach. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Très bien. Et la préparation du sacre, ça se fait bien? Oui, ça se prépare dans les coulisses du stade, oui, et des maisons de nos supporters. Ah voilà, eh ben, vous êtes déjà champion, on est champion, on est très content, félicitations. Merci. Et du coup je me demande, est-ce que vous allez quand même jouer à fond demain ou bien vous allez juste vous amuser puisque c'est déjà gagné? En fait, c'est un principe à Coton, il faut être sérieux jusqu'à la fin. Oui. Et nous pensons que cette attitude nous permet toujours de garder la concentration jusqu'au bout pour garder le moral pour la suite. D'accord. Alors, on se demande quand même également quels ont été les ingrédients pour ce sacre, pour le titre, quand on sait quand même qu'à l'arrivée, l'équipe n'allait pas si bien. Oui, c'est vrai, j'avais beaucoup de points de motivation qui m'ont poussé à ramener les joueurs vers le sommet. Déjà, j'ai eu un échec avec les U17 où nous n'avons pas atteint la qualification pour la Coupe du Monde. Ça, c'est un point. J'ai été limogé de mon poste. Ça, c'est le 2e point. Oui. Et il fallait que je retrouve une équipe qui a beaucoup d'ambition et qui a les moyens de sa politique. Et je crois que le meilleur choix pour moi, c'était Coton. Une maison que je connais très bien. Oui. J'ai dit non, je n'hésite pas. Donc c'est ça mon premier discours. C'est
être entraîneur de coton, c'est jouer le titre. Oui. C'est pas, il n'y a rien d'autre. Il voilà. faut jouer le titre. Donc pour moi, c'était une source de motivation. Oui. J'ai trouvé des joueurs qui sont disponibles et qui ont envie de travailler. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce stade. Justement, en parlant des joueurs, je voudrais qu'on parle d'un joueur particulièrement. Marius Mwangi-Madji. Un mot, quelques notes sur le joueur. Oui, Marius, c'est un joueur vraiment atypique. Oui. C'est quelqu'un qui a des qualités qui sont régulièrement caché, oui. mais que lui, il sait les sorties pendant les matchs. Oui. J'ai pris un ou deux mois pour maîtriser l'homme mm-hmm. et j'ai su comment l'utiliser pendant les matchs. Oui. Et à chaque fois qu'il entrait, il trouvait toujours les bonnes situations pour marquer. Et hop, c'était que, le but. Voilà, donc ça lui a permis à certains matchs de faire les doublés mm-hmm. ou le triplé et ça lui a donné des ailes. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'il a réalisé bah oui, et ce qu'il compte réaliser à l'avenir. Bah, bravo, hein, bravo, courage, parce que c'est notre mission à nous également dans Elite Football Club, faire tout ce qui est en notre possible pour relever davantage et le championnat et le football camerounais. On va vous laisser aller continuer la préparation du sacre, merci. Qui est dans quelques heures. Bien, merci. Et merci le temps pour nous de rejoindre le président du club. Okay, à bientôt. Merci à vous. On y va. Bien, nous allons retrouver à l'instant le président du club Coton Sport de Garoua, les champions. Il est déjà là et voilà, bonsoir. Et... Bonsoir. Bah, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je me sens dans la peau d'une championne aussi. Très vous bien. Devez certainement être très heureux ouais. après deux ans quand même loin du précieux trophée et vous arrivez, et ben, c'est bon. On peut dire que vous arrivez avec la victoire. On peut dire oui et que j'arrive avec la victoire, ouais. avec le succès. Bien. Bien, vous savez que, effectivement, Coton Sport, depuis deux ans, mm-hmm. N'a pas pu être champion. Oui. Et il a fallu qu'il y ait une réforme oui. au sein de Coton Sport, tant sur le plan organisationnel que structurel. Oui. Et je pense que c'est les fruits de cette restructuration, de ce changement qui est en train d'arriver. Mais allons un peu plus en profondeur, Monsieur oui. le Président. Ça a été quoi, d'après vous, le secret du succès? Bon, le secret, c'est qu'il y a une équipe dynamique, oui. une équipe qui essaye de faire son travail mm-hmm. et qui, on peut dire, le secret profond, c'est le management. Oui. C'est le management. Nous utilisons les outils du management moderne dans Coton Sport. Nous essayons de faire à ce que les acteurs bénéficient réellement de ce qu'ils doivent bénéficier. Et c'est ça le secret. Vous savez, les gars, au départ, sont arrivés. Oui. On a commencé à jouer. Bon, et c'était un peu fébrile, mais nous avons essayé de mettre quelque chose de différent pour motiver les gars, pour mettre les gars au travail. Mm. Et vous voyez, il y a eu changement un peu au niveau de l'encadrement technique. Il y a eu un peu d'autres astuces que nous avons apportées et ces astuces ont donné des grands résultats. Et c'est ça même le résultat de Coton Sport. Oui, le résultat principal, c'est qu'on est champion. Il y a un truc que je fais très souvent avec les joueurs et je vais me permettre de le faire avec vous, hein, Monsieur le Président. C'est genre bravo. Oui, merci. Je l'ai fait, ça. Merci. En revanche, je voudrais qu'on parle un petit peu de Mwangi-Madji qui est parti aujourd'hui. Oui. Comment vous l'aviez détecté? Nous l'avons détecté comme nous faisons des détections un peu partout. Mm-hmm. Nous avons eu des contacts un peu à l'extérieur, au Tchad, mm-hmm. un peu partout. Nous avons eu des correspondants mm-hmm. qui nous ont signalé qu'il y avait des joueurs. Nous l'avons fait venir ici à Garoua, on l'a testé, on a trouvé qu'il avait les capacités. Oui. Et c'est comme ça que nous l'avons pris dans le club. Sachez que nous l'avons pris et nous l'avons encore formé. Je peux vous dire qu'il y a eu, en quelque sorte, l'apport. Du coaching, comme oui. on le dit. Les coachs, Bertin Ebolé oui. et Alioum Chitouan, ces gars ont apporté quelque chose de nouveau à ce joueur. Pour faire de lui ce qu'il a faire, été pendant effectivement, le championnat. Effectivement, faire de ses compétences pour qu'il puisse les appliquer mieux sur le terrain. Oui. Parce qu'il est compétent, mm-hmm. mais il faut l'ordonner. Mm-hmm. Ils l'ont fait. Et c'est ça le travail du coaching. Oui. Et je pense que c'est le résultat de ces gars et aussi de notre vision. Nous avons oui. eu... Nous avons vu quelque chose et puis nous avons pu prendre
Et voilà le résultat. Donc vous avez fait de Marius Mondibadil une belle pierre précieuse qui a été arrachée. À quel prix déjà? Ça a coûté combien le transfert? Non, bon, mais pour, le moment, vous serez au courant. Mais parce que nous sommes ouverts dans Coton Sport. Vous serez au courant, mais pour l'instant, on attend que les choses se finalisent. Parlons justement de compétitivité. Est-ce qu'on peut compter sur l'équipe Coton Sport de Garoua pour représenter valablement le Cameroun cette fois-ci? Oui, vous savez que nous avons une équipe qui travaille activement pour mettre Coton sur vraiment la bonne voie pour la Champions League. Nous avons déjà entamé plusieurs contacts pour le renforcement de l'équipe. Parce que ce soit au niveau de l'attaque, au niveau de la défense et du milieu du terrain, nous avons déjà des contacts avec des internationaux camerounais et même étrangers. Nous avons des Tchadiens, nous avons des Centrafricains, des Maliens et même des Congolais. Donc plusieurs contacts sont déjà en cours et je peux vous dire que nous nous battons ardemment pour que vraiment la Champions League, nous allons très loin à la Champions League. Alors, aller très très loin, c'est certainement ramener un autre trophée comme ça. Pourquoi pas? En fait, moi j'aime c'est pas beaucoup, impossible. J'aime beaucoup celui-là avec un petit ballon sur la tête. Pour vous, c'est lequel le meilleur pour... Non, pour le moment, je peux vous dire que pour moi, mon trophée, c'est celui de demain. Ah ouais, je m'en doutais un peu. Le meilleur, c'est celui à venir. Oui, mon trophée, c'est celui de demain et c'est le meilleur pour le moment. Ce fut un plaisir, Monsieur le Président. Merci, Madame. À très bientôt. À très bientôt. Merci. On se retrouve dans quelques instants seulement pour le match du sacre de l'équipe des champions. À tout de suite. When I was young, I was the only girl playing football with 20 guys. They say, boy, girl, don't play here. It was not easy to hear that, but I didn't care. I was really strong. They call me Lioness. I am Gail Inganamuit. I am made of black. Nous sommes de retour dans Elite Football Club, nouveau décor, de nouvelles couleurs. C'est l'édition spéciale sacre de Coton Sport de Garoua. Garoua, c'est trop beau. On se permet cette escale. Nous sommes ici à l'avenue des Lions Indomptables. Vous avez pu le remarquer, l'énorme lion. Et bien sûr, on prend donc cette autre escale. Mais là, il s'agit de la conférence de presse d'avant le fameux match du sacre. Coton Sport et bien sûr, Dragon de Yaoundé. Jouer le champion du Cameroun, ce n'est pas rien, et faire un résultat face à lui, une fois de plus, ce n'est pas rien. Un attaquant, c'est un tueur. Pas de rigolade devant les goals. Si j'ai la possibilité, je marque. Autant de buts qu'il va se présenter, moi je marque. C'est ça mon rôle premier attaquant en tant qu'attaquant. Now the eligible scorer is not inside my net. I just want to help the young ones to grow. Après 4 journées, il a laissé ses marques et les clubs l'ont suivi. Moi aujourd'hui, j'ai un CV quand même considérable, international, cadet, junior, espoir, A'. J'ai gagné la Coupe du Cameroun l'année passée, cette année gagné le championnat. Je vais continuer à être performant. Si mon heure n'a pas encore sonné, je vais rester au Cameroun, je ne vais pas m'évader quand même. Donc j'essaie tout performant, je vais donner tout. Et on ne sait jamais, quelqu'un va me prendre et va me faire signer aussi après. On l'a dit, c'est le moment du jeu, trêve de parlotte et ils vont y aller. Les champions sont déjà là, ils sont prêts. Vous avez entendu les coups de sifflet, ils vont sortir à tout moment. Je fais quand même une petite incursion dans le vestiaire des champions, je fais ma présidente croate. Ah, c'est la sortie déjà. Bonjour les champions. Bonjour. Ah, ça fait plaisir d'être avec eux. Alors, est-ce qu'il y a l'un de vous qui veut faire le journaliste? C'est juste le temps de... Voilà. Il y en a. Oh, monsieur Abouem Maya. Vous êtes champion aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire, monsieur Abouem Maya? Non, je peux dire tout d'abord merci et félicitations à tout mon staff, tous mes coéquipiers. Et je pense qu'aujourd'hui, on est satisfait de ce titre qu'on a bataillé depuis le début et jusqu'à la fin. Un titre n'est jamais facile à gagner. Et aujourd'hui, on a ce titre et je pense qu'on est assez satisfait. On est assez heureux avec mes gars ici tranquilles. On est présents, on est fiers. Moi, comme toi, Nyandom. Et aujourd'hui, je pense que c'est le sacre et c'est la fête pour tout le monde. Monsieur Abouem, m'assois. Everyone got a lot of money on the fair money.
enfin le fameux match du sacre de Coton Sport de Garo. On a tellement attendu. La parlante s'est vraiment terminée, la pelouse. Et là, les deux équipes sont déjà sur le terrain. Dragon de Yaoundé et les champions Coton Sport de Garo. Et bien que la partie commence et que ce soit bien. Qu'il est beau ce trophée de la saison 2017-2018 qui ira bien sûr dans l'armoirie de Coton FC de Garois pour ce dernier match très attendu. Le stade a fait quasiment comble ici pour que la fête soit digne de Coton et le coup d'envoi est donné par le représentant du gouverneur. Et c'est d'abord Dragon qui se met en évidence avec peut-être ce ballon là-bas à côté gauche, le centre pour personne. Il vaudrait mieux pour un Coton de rester vigilant parce que Dragon peut gâcher la fête ici. Et c'est Coton qui est reparti à l'assaut, débute avec Zachary Ndongo. Fouet qui remet sur Serge Andolo avec Alexis Yugoda. Peut-être une frappe d'Alexis. Elle passe à côté. Très à côté alors, début des panais, le gardien de Dragon. Alexis Yugoda, très dangereux. Il s'est reparti avec le joueur de Coton en bataille. Qui remet sur Macon. Pour Camilo. Ah, il retrouve Zachary Ndongo. La frappe de Zachary Ndongo. Qui en deux temps est capté par Epané, Epané. Et voilà la deuxième tentative des joueurs de Coton. C'est Thierry Macon qui fait de ballon. Il le récupère derrière. C'est bien fait ça. Un jeu sur Andolo, le 1-2 avec Bataille sur le côté là-bas, peut-être un centre instantané. Camilo Daouda qui part remettre directement sur Alexis Yugoda. Alexis Yugoda, le but. Il a rien faire sur ce coup. Yugoda est précis, il est millimétré ce ballon. Ça fait 1-0 pour Coton et le stade exulte. Quels sont les supporters de Coton. Le but, il est superbe. Il est superbe. La part de Yugoda. Zembori. Avec Ndongo. Une deux, c'est bien fait avec Baba Soumaïla. La passe en direction de Macon. Avec un ballon pour Baba encore. Le centre et la reprise. Exceptionnel. Magnifique. Quelle reprise de volée. Elle est belle. Elle est belle, cette reprise. Elle est d'anthologie. Elle est signée. Marseille. Bataille. Il est magique. Il est féerique. Quel but. Alors, on va voir sur l'action. Et ce ralenti, il est beau le ralenti parce que le geste aussi, le rombo. Et quelle reprise, elle est magique, elle est sublime cette reprise de Bataille. Sur avec Andolo, Yagoda, avec Bataille encore, Macon et Camille Daouda, la frappe de Bataille. Elle est belle cette frappe de Bataille. Le but est super beau. Ah, il est refusé, apparemment ce but, il est refusé. Il s'est emballé dans l'action. Voilà, nous sommes toujours en train de vivre le big match du jour et ce serait même, c'est peu de le dire, hein, le big match, c'est le match du sacre de Coton Sport de Garoua. Nous sommes avec Madame Mangele, secrétaire générale de la Ligue, qui va nous donner tout son ressenti par rapport à ce match. Bienvenue Madame. Bonjour. Alors vous êtes sur Elite Football Club, nous voulons juste savoir, vous devez être très particulièrement heureuse de la fin de ce championnat qui a eu une programmation exceptionnelle. Oui, justement, c'est ça qui me rend vraiment heureuse en ce jour. Parce que les années dernières, on n'a pas pu réaliser cet espoir, celui de respecter le calendrier. Je crois qu'on a réussi le pari enfin. Eh bien, c'est certainement pas terminé. Il y a encore de belles choses à venir avec la Ligue. Disons que nous allons essayer de restructurer la Ligue. Raison pour laquelle nous avons signé un partenariat pour une assistance technique avec la Liga espagnole. Je crois que dès le lancement de la prochaine saison, nous allons mettre sur pied cette collaboration. Alors, Madame la SG, on ne va pas vous embêter plus longtemps. On va vous laisser aller suivre la deuxième période. D'ailleurs, je vais y aller avec vous. Le match est super chaud. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on y va. Elle était belle, hein. C'est autant qu'il... Kepané, là-bas devant encore. Attention, est-ce qu'il va le rater? Le centre! Et voilà! Est-ce qu'il va rentrer ce ballon finalement? Oui! Il va bel et bien rentrer, c'est un but! Le but, il est de Camilo qui se régale et Coton continue de marcher sur Dragon de Yaoundé. Désormais 3 pour la formation de Coton et 0 pour Dragon qui souffre depuis le début de la rencontre.
Attention Camilo, c'est bien récupéré, ça va continuer d'aller accélérer là-bas et provoquer la défense de Dragon. Yuguda, ça passe et à côté c'est passé ce ballon, que c'était bien joué au départ. Donc on va suivre ce ballon côté Dragon, il faut s'appliquer, attention chez toi 2, le centre peut-être qui arrive dans les bras du gardien, il s'impose, et Dragon, ils n'ont pas de veine, enfin pas de chance, on va dire ça comme ça. Donc on suit côté Coton, à provoquer, bien fait avec Baba, Soumaïla, et ça joue bien ça. Un ballon pour Baba encore. Peut-être trouver un coéquipier là-bas sur le côté gauche. Ah, une, deux là-bas, encore la frappe peut-être qui arrive. Le crochet derrière, l'arrêt peut-être. Non, les palais passés au travers. Derrière la frappe pour repousser les palais. Oh, quel ballon. C'est repartir avec la contre-attaque. C'est bien fait. Jusqu'à, il faut trouver Ndongo là-bas. Attention, qui va intercepter ce ballon. Zachary Ndongo, le tacle. Superbe interception de Zachary Ndongo. Sur ce tacle qui stoppe l'action de Dragon Yaoundé. Donc encore le 1-2 avec Bataille et peut-être une frappe derrière encore. Oh, l'intervention. Ouh là là là. L'intervention des Panais. Qu'est-ce que c'était bien fait. Mais là encore l'intervention des Panais qui enjolive l'action. Attention le festival et le son d'Andoula. Bataille. Oh, la remise pour Zachary, ça donne rien. Oh, ça donnera rien vraiment. Mais quelle action. Superbe geste et quel match. Peut-être une dernière pour Dragon, pour la route, peut-être le face à face aussi. Là-bas encore, il va sortir peut-être la frappe et l'arrêt. Exceptionnel arrêt sur ce face à face. Ce sera tout pour ce match. Et Coton qui surclasse Dragon pour son dernier match de la saison. Coton est donc champion et Coton aura été en réussite jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, c'est terminé pour le big match, le match du sacre de Coton Sport de Garoua, les champions. C'était un match de ouf, on n'a pas senti la suffisance du tout. Ben non, ils ont tout donné. Et Zachary Ndongofoué qui jouait comme si sa vie en dépendait. Pourtant, c'était totalement gagné. Donc, ils sont champions, ils sont professionnels. Pendant que le podium continue de se mettre en place de l'autre côté, nous allons aller rejoindre Mathieu Fangois pour le condensé de cette dernière journée. Au terme de la 34e journée, Stade Rennais de Mélan 3, Fovu Club de Baham 0, AS Fortuna 2, Ascre de Douala 2, la Colombe du Dja et Lobor s'est maintenue dans le cercle très fermé des équipes de l'Elite One en battant l'Unisport du Honka 2-0. Coton Sport de Garoua reste et demeure leader à 69 points. Deuxième l'Union des mouvements sportifs de Loum, 55 points. Troisième Bamboutos Club de Mbouda, 53 points. Au bas du classement, le coup de tonnerre, c'est la descente de l'Unisport du Honkam, 16e à 40 points. 17e l'Aigle Royal de la Maine à 32 points. 18e et bon dernier, Yaoundé Foot, 34 points. Et que c'est beau aussi, hein, la remise de la médaille par Madame Manguele au président de Coton Sport, Monsieur Fernand Sadou, qui est heureux pour son premier titre. Dès sa première année à la tête du club, c'est quand même si fort. Et Zachary Ndongo avec le plateau d'argent. Ah, il va sûrement rentrer. C'est sa maman qui va jusqu'à Adamou Saliou, le Selcom. Et le vice-président de la FPC et le représentant du gouverneur qui remettent le 15e trophée à Camilo Daouda. Coton est champion et bien sûr on se rappelle des souffrances et de l'état dans lequel le coach Bertrand Ebouélé a apporté, qui lui est porté en triomphe aujourd'hui. C'est un sentiment de joie, de fierté, je ne sais pas, je dis simplement merci au Seigneur parce que j'ai commencé la saison avec beaucoup de blessures et puis par la grâce de Dieu je me suis remis et puis je ne peux que dire merci au Seigneur de m'avoir protégé, de brandir une fois de plus cette médaille qui
fait vraiment plaisir, ça donne beaucoup de joie au cœur. Je suis content de revenir et d'apporter la pierre à l'édifice pour gagner ce championnat. Comme ça faisait un peu longtemps que le club n'avait pas gagné, voilà, c'est une très bonne chose pour nous. Ça me fait de la joie, de la joie au cœur. J'ai tellement rêvé depuis que je suis petit et mon rêve s'est accompli. Et cette année, nous sommes champions et nous remercions vraiment l'Éternel et nous sommes contents. Voilà, à cette formation de Coton, c'est exceptionnel ce qui leur arrive aujourd'hui. 15e titre de Coton alors que vraiment personne n'aurait parié sur cette formation de Coton dès le début de la saison. Voilà, ils sont champions aujourd'hui. Quant à nous, on va se dire au revoir et remercier toute l'équipe de production du Lille Football Club. Tous ceux-là qui travaillent tous les jours pour que cette émission soit aussi belle. Merci à vous aussi, téléspectateurs. Et nous, on va rester dans l'ambiance féerique de ce stade parce que la nuit, eh bien, s'annonce très très longue ici dans le Nord. Coton est champion de la saison 2017-2018. Eh oui, ils sont champions, nous sommes tous champions. Et là, je suis avec Georges Lionel Messi. C'est bien la première fois qu'on est face à face dans la même émission. Ça va, collègue? Ça va. Okay. Bah ouais, durant tout le championnat, toute la saison, on a été ensemble. Et toi particulièrement, tu as suivi l'équipe Coton Sport de Garoua. Qu'est-ce que tu penses de cette victoire? Bah, c'est largement mérité parce que les gars, ils ont souffert. Le début de saison, c'était poussif. On a vu Grégoire Biroué se faire virer au bout de 5 matchs. On avait dit que c'était pas le moment. Et puis Ebouelé est arrivé, il a créé une nouvelle dynamique. Il a amené cette équipe à la victoire, largement mérité. Chapeau big up à tous mes potes de Coton Sport qui ont réussi quand même une belle saison. On est tous Coton aujourd'hui, on est tous Coton maintenant. Moi j'ai le dossard 29, tu vois. Moi je sais pas quel dossard j'ai. Ah non, toi tu as le dossard de Kobus. Bizarrement on a les deux meilleurs buteurs. Oh, on est les champions. Bon, Coton Sport est champion. C'est terminé pour cette édition de Elite Football Club. Mais c'est pas terminé l'émission. On se retrouve à la prochaine édition pour une émission bilan de tout ce qui s'est passé avec toujours autant de moments fun et sport. À bientôt, au revoir. Bah, on va continuer de célébrer hein, le trophée. When I was young, I was the only girl playing football with 20 guys. They say, boy, girl, don't play here. It was not easy to hear that, but I didn't care. I was really strong. They call me Lioness. I am Gail Ingana Mwit. I am made of black.